Salut tout le monde, c'est KDiscuters. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, les gars, comme vous avez vu sur le titre, on va s'ouvrir un deck Apex m'a envoyé, donc un deck Apex personnalisé à une valeur à peu près de 350-400 €. Je vous dirai, je vous mettrai la valeur juste ici. Donc voilà, donc le colis, il est juste là. On va s'ouvrir. Donc normalement, il y a un deck et je crois qu'ils m'ont mis 2-3 trucs en plus. Enfin, on va voir ça tout de suite. Donc je vais l'ouvrir avec un couteau et c'est parti. Donc voilà les potes, là, on a le colis qui est enfin déballé. Donc on peut voir. Il y a un petit grip Apex comme ça, donc c'est lui son préféré. Et bien sûr, le carton du deck Apex. Donc dites-moi en commentaire, à votre avis, de quelle couleur il sera. Vous mettez en commentaire ça maintenant et vous verrez genre ça dans quelques secondes. Donc on va s'ouvrir maintenant, j'ai trop hâte, donc c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est déjà pas fait. Vous êtes 50% à ne pas être abonné. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît. On se dit 1500 pouces bleus sur cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner au compte Instagram d'Apex Pro Scooter et à la chaîne YouTube bien évidemment, car voilà, c'est mon sponsor. Donc je le mets juste ici. Donc là maintenant, on se retrouve pour ouvrir le colis, c'est parti. Donc voilà les gars, le deck il est juste ici, donc comme vous pouvez voir c'est un deck Apex bleu foncé, donc c'est pas le bleu turquoise qu'il y a juste ici, pas le même, en fait vous allez voir c'est pas le même bleu, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais lui il est turquoise en gros et lui il est plus bleu foncé, et à la différence aussi c'est que lui c'est un deck Apex en 5 wide, donc lui en fait est plus large que celui-là, lui c'est un 11,5 de large et lui ça doit être un 12,5, enfin je sais que c'est du 5 wide en anglais mais je sais pas si c'est la valeur en français, ça sera marqué à l'écran. Là du coup là on est en bleu foncé, donc je vais vous faire quelques plans, donc voilà petit autocollant Apex comme sur tous les decks Apex, juste ici, voilà, ainsi que le petit Australian Made, juste ici sur tous les decks Apex, craft stylé. Et ils m'ont même envoyé en fait avec une paire de roulements, donc le JDD, pour en mettre sur le deck, donc juste ici, c'est des Apex. Ok, donc les potes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre le petit grip sur le deck Apex, et après on va le mettre sur une trotte, et voilà, c'est parti. Donc n'hésitez pas à noter le deck dans les commentaires. Si vous aimez bien la couleur, vous aimez bien qu'ils soient en 5 wide, le design comme ça. De toute façon, vous aurez des plans en fait du deck là à l'écran. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le frein et on va mettre le grip maintenant. Donc là, j'enlève le frein pour que en fait, le grip passe plus, soit plus stylé. Après, on remettra le frein pour mettre le grip. Ok, donc les potes, le grip il est posé. Donc là, voilà, ça fait juste ça. Donc maintenant, on va mettre le frein dessus. On va le remettre plutôt et après on va le mettre sur une trotte, je pense. On va se faire une petite trotte, ça va être carré. Donc maintenant on remet le frein. Ok, donc les potes, ça y est, le deck il est monté. Donc il y a le frein, le grip dessus, il y a l'axe, donc il y a tout. N'hésitez pas à le noter en commentaire là parce que franchement, tout ça c'est dinguerie. Donc c'est un des seuls decks qui me manquait dans ma collection en fait. Comme vous savez, je fais la collection de tous les decks Apex. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir bientôt sur ça. En fait, le bleu foncé, c'est une couleur qui me manquait. En fait, j'avais le bleu turquoise du coup, comme vous avez vu. Et j'avais pas le bleu foncé. Et c'est pour ça du coup qu'ils m'ont envoyé le bleu foncé. Ok les potes, du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre le deck sur une trotte. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo où j'ai ouvert ma nouvelle trotte qui m'a envoyé mon sponsor CDK. Donc elle est juste ici, avec un deck Apex rouge. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer le deck, du coup on va mettre le bleu ici. Je vais mettre un collier, en vrai je sais pas si je mets un truc rouge et bleu, si je fais un truc noir et bleu. Dites-moi en commentaire, mais je sais pas encore. Ouais, du coup en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi de mettre le deck Apex bleu sur ici. Et je vais pas changer la couleur de du collier et des roues. Comme ça fait un setup genre rouge et bleu un petit peu, j'ai jamais essayé. Donc on va faire ça tout de suite les gars, et maintenant on se retrouve au custom build. Ok, système de compression et première roue de mise, on va passer sur la deuxième roue et sur la barre et on est bon. Ok les potes, du coup la trotte elle est montée, elle est juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les plans de la trotte maintenant. Donc vous aurez des plans stylés et tout, et après on se retrouve juste après pour les clips en flat. Alors, c'est parti.
Ok les potes, du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un pouce bleu. On a dit objectif 1500 pouces bleus sur cette vidéo. Je sais pas si ce sera possible, ça dépendra que de vous. N'hésitez pas à aller follow Apex Pro Scooters sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube, enfin vous avez capté, c'est marqué juste ici. N'hésitez pas à aller follow mon compte Instagram Camille Scooters, on est 100 000 dessus, donc n'hésitez pas à rejoindre. N'hésitez pas à mettre une note de la trotte et du deck dans les commentaires. Sur ce, c'était Camille Scooters. À vendredi prochain. Ciao.